Coucou tout le monde, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo qui est la dernière partie de mes affaires d'équitation. Donc là aujourd'hui je vais vous présenter mes affaires d'équitation que je laisse chez moi. Alors en ce qui concerne les tapis, en fait si vous voulez, ils restent pas tout le temps chez moi. En fait je fais un roulement, des fois je prends celui-là, puis des fois je prends celui-là, puis des fois je prends celui-là, enfin bref je fais un roulement. Mais voilà, en général ils sont rangés là. Ensuite, juste à côté, on a une boîte GB700. Donc c'est l'endroit où je range toutes mes protections, donc toutes mes guêtres et mes protège-boulets. Et ensuite, en dessous, on a un petit meuble où je range tout un tas de bazar d'affaires que je ne me sers pas, ou très peu, ou des choses que je ne me sers pas régulièrement. Alors pour mes tapis, j'ai un tapis de la marque Tinkle que j'ai acheté chez Decathlon en noir. J'ai également un Tinkle en marron. Donc ce sont vraiment mes deux préférés, ceux-là, ils sont vraiment extra. J'ai un tapis de la marque Fuganza en noir avec le contour bleu turquoise. J'ai un Fuganza pareil en violet et mauve, et le contour comme ça, il y a une petite cordelette qui est bleu marine et blanc. Ensuite j'ai un tapis de la marque BR qui est couleur gris et rose, rose fuchsia. Donc c'est Megan, une amie, qui me l'a offert. Donc voilà Megan, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Et mon dernier tapis, qui est un tapis de la marque BR, exactement pareil que celui que je vous ai montré avant, mais cette fois-ci il est gris et vert pomme un peu. Et au niveau des protections, donc j'ai des guêtres et protège-boulets rose fuchsia avec l'intérieur en beige et bleu marine. Des verts pommes de la marque BR pour aller avec mon tapis de la marque BR en vert pomme. Des pleux turquoise avec la moumoute bleu marine de la marque Fuganza. Et des mauves et violets de la marque Norton. Et ensuite dans mon tiroir ici, donc il y a énormément de bazar. En fait c'est toutes mes vieilles brosses que j'ai pas trop voulu jeter, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Enfin bref, voilà, il y a des Magic Brush, il y a également de la bétaline rouge, il y a un licol en corde, il y a des produits, il y a une gamelle d'Ilou, des vieilles brosses, voilà des Magic Brush, des compresses, des vieilles cravaches, voilà tout un tas de choses, des vieux produits que je ne me sers plus et qu'il faudrait que je jette. Et dans l'autre, donc celui du bas, il y a tous mes produits pour soigner mon cuir, donc de la graisse pour le cuir, il y a aussi du soufre pour faire des recettes maison. On a de l'huile de paraffine, enfin bref, voilà tout ce qu'il faut pour faire le cuir. Et ensuite, juste ici, on a donc ma vieille bombe que je garde en souvenir parce que voilà, j'y tiens quand même. Et un licol en corde que m'avait offert Moustache pendant un swap. Voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très prochainement. Gros bisous!